Bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus sur votre émission Le Retour à la Parole. C'est votre chaîne de télévision Réveil TV. Donc merci encore de nous recevoir chez vous. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur nous fait, qu'il nous accorde d'être en vie, d'être en bonne santé. Nous voulons pour cela vraiment de tout cœur lui dire merci et lui rendre toute la gloire et l'honneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité. Donc, ce soir, nous voulons une fois de plus partager la parole dans l'optique de nous encourager, de nous édifier et de mieux nous préparer au retour du Seigneur. Donc, nous voulons comme ça rendre grâce au Seigneur, présenter les temps au Seigneur et partager la parole ensemble. Seigneur Adonai, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour cette émission, merci pour toutes les personnes qui nous reçoivent actuellement chez elles. Bénis toutes ces personnes, bâtis nos vies, bâtis nos cœurs, Seigneur. Nous voulons, au-delà de tout ce que nous pouvons faire sur cette terre, nous préparer à ton retour, car tu reviens bientôt, Yeshua. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Yeshua. Amen. Donc, comme je le disais tantôt, nous voulons encore partager la parole, nous voulons nous encourager, parce que nous sommes véritablement à la fin et le Seigneur est en train de revenir. Donc, nous traitons tous ces thèmes, tous ces sujets qui tournent autour du retour du Seigneur, parce que c'est la raison pour laquelle nous vivons. Nous ne sommes pas sur terre pour vivre dans le désordre, pour vivre comme nous voulons. Nous sommes sur terre pour nous préparer au retour du Seigneur Yeshua. Donc le thème de ce jour, c'est vivre comme un pèlerin. Et nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Donc 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Vivre comme un pèlerin. Comme un pèlerin, comme un pèlerin, peu importe. Donc on est dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc les frères de la régie vont garder le passage qu'ils ont sur l'écran. Donc ici c'est Pierre, Petros qui a marché avec le Seigneur Yeshua, qui dans sa première lettre, n'est-ce pas, va encourager les chrétiens. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc nous allons, par la grâce du Seigneur, parler ce jour de vivre comme un pèlerin. Donc Pierre ici dit qu'il nous exhorte comme étrangers. Alors qui est étranger? Alors on sait qu'un étranger, c'est quelqu'un qui est dans un pays autre que le sien pour un objectif, pour un but, pour une durée bien précise. Donc un étranger, c'est quelqu'un, c'est un immigrant, autant pour moi, c'est un qui immigre dans un pays étranger. Donc qui quitte de son pays d'origine et qui va dans un autre pays, ça peut être une autre ville, n'est-ce pas, pour un objectif, pour un but précis. Mais qui après est censé repartir dans son pays d'origine de façon naturelle. Un étranger est une personne qui va dans un autre pays pour un temps, pour atteindre certains objectifs. L'étranger ne va pas vivre dans un pays étranger comme s'il était chez lui. L'étranger, n'est-ce pas, a un objectif à atteindre et après il retourne chez lui. Et ici, Pierre nous compare à des étrangers. Donc Pierre, n'est-ce pas, d'entrée de jeu, nous amène à réaliser que nous sommes étrangers sur la terre. Nous ne sommes pas sur cette terre chez nous. Nous ne sommes pas, n'est-ce pas, sur cette terre comme les personnes qui sont censées vivre, autant pour moi, éternellement sur la terre. Donc d'entrée de jeu, Pierre, n'est-ce pas, nous rappelle que nous sommes des étrangers. C'est-à-dire que nous sommes là pour un temps. C'est-à-dire que nous sommes passagers. C'est-à-dire que nous ne devons pas vivre comme si éternellement nous serons sur la terre. Nous sommes étrangers. Et deuxièmement, il dit que nous sommes voyageurs. Un voyageur est une personne qui aussi est étrangère dans un pays autre que le sien. Un voyageur est une personne qui, lorsqu'il va en voyage, ne va pas avec tous ses biens. Donc un voyageur, n'est-ce pas, ne peut pas aller en voyage avec 10 valises
avec sa maison, sa voiture et ses biens. Un voyageur va en voyage avec le strict minimum. Dans son sac de voyage, vous allez retrouver sa brosse, donc ses produits pour l'hygiène. Vous allez trouver quelques vêtements. Mais il ne va pas, n'est-ce pas, aller en voyage avec tous ses bagages. Pourquoi? Parce que l'objectif du voyage, c'est d'aller pour une courte durée, une courte période. L'objectif du voyage, n'est-ce pas, c'est de ne pas se surcharger. Donc ici, Pierre, en nous comparant, n'est-ce pas, à des étrangers et à des voyageurs, il veut nous amener à comprendre qu'on ne doit pas se surcharger. On ne doit pas s'encombrer des choses de la terre. Pourquoi? Parce que nous sommes des étrangers. Vivre comme un pèlerin. Donc le pèlerin, c'est cette personne qui vit comme un étranger. Le pèlerin, c'est cette personne qui vit comme un voyageur, qui ne s'encombre pas. Et on verra tout au long du partage, de l'enseignement, toutes les choses qui peuvent nous encombrer, qui peuvent nous empêcher de vivre comme des voyageurs et des étrangers. Comme des voyageurs et des étrangers, tant pour moi, oui. Donc on peut remettre, n'est-ce pas, le pas sur l'écran, s'il vous plaît, les frères de la régie. Donc Pierre nous exhorte à vivre comme des voyageurs et des, comme des étrangers et des voyageurs. Il dit, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc un autre élément, pour vivre comme un pèlerin, Pierre nous encourage à nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Donc on apprend ici que durant notre pèlerinage sur la terre, il y aura tellement de désirs charnels qui vont combattre notre âme. Ces désirs charnels peuvent être représentés par le péché, par la pyramide de Maslow par exemple. Dans les désirs primaires qui sont des désirs normaux, désirs secondaires, désirs tertiaires, et après vous avez le désir d'accomplissement, la tête de la pyramide, les désirs d'accomplissement, qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas essentiels pour notre vie, mais Satan veut nous amener à nous attarder sur la poussière, sur la fumée, sur la vanité. Ici, il nous parle des désirs charnels qui font la guerre à notre âme. Et Galates 6 est clair sur les désirs charnels. Il y a l'orgueil, l'impudicité, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, le mensonge, le vol, la haine, la méchanceté. Mais aussi le désir de vouloir s'enrichir. Le désir de voir, n'est-ce pas, s'accaparer des biens, des grands biens sur la terre. Alors qu'ici, on apprend qu'on est des voyageurs et des étrangers. Quelqu'un qui va construire 20, 25 maisons, qui va avoir des villas, des grandes villas partout dans plusieurs pays. C'est quoi l'objectif? Alors que nous sommes des étrangers, des voyageurs. Ça veut dire que notre vie sur la terre doit être modérée. Elle doit être équilibrée. Pourquoi? Parce que nous sommes de passage. Mais il y a des gens qui vivent sur la terre comme des personnes qui vivront sur la terre éternellement. Donc Pierre, dans ce jeu, nous amène à comprendre que nous sommes des étrangers et nous sommes des voyageurs sur la terre. C'est-à-dire que nous sommes étrangers. C'est-à-dire que nous sommes là pour un temps, pour une durée précise, et après nous partirons. Il y a deux événements majeurs qui peuvent nous faire partir de la terre. La mort, mais aussi le retour du Seigneur Yeshua. Et la mort est un événement qui peut survenir à n'importe quel moment. Tout comme le retour du Seigneur Yeshua. Alors si on s'attache à la poussière, à la fumée, à la vanité qu'est la terre, nous risquerons de rester. Parce que nous sommes comparés à des étrangers et à des voyageurs. Et autre chose, on dit que ces désirs charnels font la guerre à notre âme. Pourquoi? Yeshua était clair. Que sert-il à un homme de gagner tout ce monde s'il va perdre son âme? Parce que le plus important dans la vie de l'être humain, c'est son âme. Tu peux avoir des grands biens. Tu peux être reconnu comme l'homme le plus riche, la femme la plus belle, l'homme le plus beau. Si ton âme est attachée à la terre, ton âme est attachée à la vanité, ton âme n'est pas consacrée au Seigneur, tu resteras, tu passeras comme la poussière. Parce que la vie de l'être humain est comparée à une fumée, selon Timothée ou Jacques. La vie est comme une fumée qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Donc ils ont la pensée qu'il y a des désirs charnels qui font la guerre à notre âme. Ces désirs charnels, n'est-ce pas, sont ces désirs qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. On a le mensonge, on a l'orgueil, on a la vaine gloire, on a la hauteur, les complexes de supériorité, on a l'impudicité, l'adultère, on a le désir de s'enrichir, le désir de vouloir, n'est-ce pas, s'attacher à la terre, à la poussière, à la vanité. Qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, avec autant de grands biens? Autant de richesses. Il y a des personnes, n'est-ce pas, qui ne sont pas satisfaites de tout ce qu'elles peuvent avoir. Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'elles sont éternelles. Mais alors qu'ils en apprennent
que nous sommes des voyageurs et nous sommes des étrangers. Ça veut dire que sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, nous ne sommes pas chez nous. Notre cité, elle est céleste. On peut le voir dans Hébreux, n'est-ce pas? Dans Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Le verset 14. Donc ici, Pierre nous amène à réaliser que nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Que ça ne sert à nous attacher à la poussière, à la fumée, à la vanité. Pourquoi? Parce que nous sommes des célestes. Donc Hébreux chapitre 13, verset 14. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. On va garder le pas sur l'écran, petit instant. Il dit que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Une cité permanente, c'est quoi? C'est une cité qui est éternelle. Donc on apprend ici par l'auteur de cet épître à l'Hébreu que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Nous n'avons pas ici-bas de demeure, de maison permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Pourquoi? Nous cherchons celle qui est à venir parce que c'est cette cité qui est éternelle. La cité qui est éternelle, c'est le ciel. C'est le paradis, c'est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Donc ici, l'auteur de ces épîtres aux Hébreux nous encourage, nous rappelle qu'ici sur terre, ici bas, nous n'avons pas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Donc frère, le but de ce passage, c'est de nous encourager, de ne pas nous attacher à la terre. De nous contenter de ce que le Seigneur nous donne. De réaliser que nous sommes des voyageurs sur la terre. Que notre cité, elle est céleste. Et nous devons nous battre pour rechercher les choses d'en haut. Mais Satan nous aveugle. Par ce désir charnel-là, nos âmes sont combattues. L'adultère, le mensonge, l'impudicité, les jalousies, les calomnies, les coutumes, les traditions. Il y a tellement de désirs charnels qui combattent nos âmes. Pourquoi? Parce que Satan est conscient que le plus important de la vie d'un homme, c'est son âme. C'est notre âme qui est en jugement. C'est pourquoi il combat nos âmes par tant de désirs. Mais est-ce que parce que nos âmes sont combattues, nous devons courir après la poussière, courir après la fumée, courir après la vanité? Dans la Bible, frère, nous parle de la parabole de cet homme riche qui avait tellement de biens et qui se disait en lui-même que son âme est rassasiée parce qu'il avait de grands biens. Et le Seigneur dit dans cette parabole que ce soir même ton âme te sera redemandée. On peut partir à n'importe quel moment. Ce qui doit nous importer en tant que citoyen, en tant qu'homme sur terre, c'est de préparer, c'est d'être prêt pour la mort, d'être prêt pour le retour du Seigneur. Parce que véritablement, Satan détourne nos regards de l'objectif véritable. L'objectif n'est pas de se faire un nom sur la terre. L'objectif est de vivre comme un étranger, comme un pèlerin. L'objectif sur la terre, c'est de vivre équilibré. Parce qu'on part bientôt. Parce que l'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. Parce que la mort est un phénomène qui peut arriver à n'importe quel moment. Nous devons nous battre pour laver nos robes. Nous devons nous battre pour craindre le Seigneur. Ce n'est pas facile, oui. Nous devons nous battre pour craindre le Seigneur. Justement, faites des choses, combattre nos âmes au quotidien. On veut être connu, on veut être vu, on veut être aimé, on veut être approuvé, être apprécié. Tout ça, ça ne sert à rien. On veut chercher à avoir 2, 3, 4 copines, on est marié, on veut tromper sa femme. Tout ça, c'est de la poussière, c'est de la fumée, c'est de la vanité. On est serviteur du Seigneur. On vole le peuple d'Elohim par les dîmes. Alors que les dîmes ne sont plus d'actualité. C'est de la fumée. Malgré nos grands biens, malgré tout ce qu'on peut posséder, on ne pourra pas empêcher à la mort de nous frapper. On a connu des hommes autant riches qui sont partis. On doit revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est le salut de nos âmes. L'essentiel, c'est de nous préparer au retour du Seigneur. C'est de sortir de l'adultère pour ceux qui sont dans l'adultère. C'est de sortir de la cupidité, l'amour de l'argent et de la tue de l'argent. C'est de sortir de l'orgueil. C'est de sortir, n'est-ce pas, des coutumes et des traditions des peuples qui nous séparent du Seigneur. Donc ici, le temps de l'épître aux Hébreux nous rappelle que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Tu peux avoir une grande villa, tu peux avoir beaucoup de grands biens, mais il nous apprend qu'ici-bas, les maisons, les biens qu'on peut avoir, les demeures qu'on peut avoir ne sont pas permanentes. Alors le concept d'une chose permanente, c'est une chose qui est passagère. Donc on apprend que nos maisons, nos voitures, notre argent, nos comptes garnis ne sont pas permanents, c'est passager.
Il dit que nous cherchons celle qui est à venir. Pourquoi? Parce que celle qui est à venir est éternelle. On va prendre un autre passage comme ça, donc 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, du premier verset au verset 5. Donc on parle de vivre comme un pèlerin, comme un pèlerin. Alors un pèlerin est une personne qui réalise qu'elle est étrangère, qu'elle est passagère sur la terre, une personne qui réalise que sa cité n'est pas de ce monde, que sa cité est céleste. Donc 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du premier verset. Car nous savons que si notre maison terrestre, cette tente est détruite, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Élohim, une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Donc ici on apprend par Paul, car nous savons que si notre maison terrestre, la maison terrestre peut parler de notre corps, parce que nous sommes comparés au temple du Saint-Esprit, mais la maison aussi peut parler de la terre même, de maison physique aussi. Il dit, car nous savons que si notre maison terrestre, cette tente, donc notre corps physique, mais aussi nos biens, cette maison terrestre, cette tente peut représenter d'abord l'homme, l'être humain, mais peut se représenter tous les biens qu'il a, être détruite, parce que justement nos corps seront détruits. Nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Elohim. Donc nous avons dans le ciel une véritable demeure, une véritable maison. Donc ici, la maison terrestre, cette tente peut parler de nos corps physiques, peut parler de nos maisons physiques, peut aussi parler, n'est-ce pas, de nos biens, de tout ce qu'on peut avoir, de tout ce qu'on peut posséder. Paul ici nous apprend que si c'est détruit, nous avons dans les cieux une construction qui vient d'Elohim. Donc la véritable demeure, la véritable maison, elle est céleste. Donc le pèlerin doit réaliser que sa maison, sa demeure est céleste. Nous avons dans le ciel une maison éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Donc on apprend, n'est-ce pas ici, que la maison céleste n'est pas faite par la main de l'homme, mais elle est faite par le Seigneur lui-même, Yeshua. Le verset 2. Quand nous gémissons dans cette tente, donc nous gémissons dans ce corps, nous gémissons, n'est-ce pas, dans cette terre, sur cette terre, en effet, désirons avec ardeur revêtir notre demeure qui vient du ciel. Donc le pèlerin gémit, il veut, n'est-ce pas, revêtir, il désire revêtir cette demeure éternelle. Il désire revêtir, mais son véritable corps. Parce que le corps qu'on a aujourd'hui, c'est le corps corruptible, soumis à la vanité, à la faim, à la difficulté, aux accidents. Mais le corps que nous aurons après l'enlèvement sera le corps incorruptible. C'est le corps qui ne peut pas être frappé par la mort, par la maladie, par la faim, par la sueur, par la fatigue. Donc nos corps même terrestres, pour lesquels on accorde beaucoup d'importance, avec les make-up, avec les maquillages à outrance, on apprend que ces corps vont être détruits. Mais notre véritable corps, il est céleste. Celui qu'on revêtira après l'enlèvement de l'Ecclésia, de l'Église. C'est pourquoi, pèlerins, vivons, n'est-ce pas, comme des voyageurs. Abstenons de combattre ceux qui font la guerre à nos âmes. Verset 3. En effet, après avoir été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Donc ici dit, en effet, après avoir été ainsi vêtus, nous ne serons pas trouvés nus. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que parce qu'on vit dans la sainteté, parce qu'on vit comme des voyageurs et des pèlerins, parce qu'on vit dans la crainte du Seigneur, parce qu'on s'éloigne du péché, parce qu'on se revêt de la vie du Seigneur Yeshua, que notre vêtement, lorsqu'il reviendra, ne sera pas trouvé nu. Parce que la nudité, c'est le mal du péché. La nudité, c'est le mal de la légèreté du mal. Donc on apprend ici qu'en vivant la sainteté, en vivant comme des voyageurs et des pèlerins, on ne sera pas trouvé nu quand le Seigneur reviendra. Et le Seigneur veut qu'on se prépare à Adama son retour. Sanctifions-nous. Sortons de la fatigue, du sommeil spirituel. Toi, n'est-ce pas, qui as connu le Seigneur, qui t'es détourné du Seigneur à cause de l'argent, à cause des femmes, à cause des biens de ce monde. Reviens au Seigneur, il n'est pas trop tard. Toi qui as accepté Yeshua, qui as accepté le Seigneur, mais qui à cause des épreuves, à cause des difficultés de la vie, a fait marche arrière, reviens à ton premier amour, reviens à ton Créateur. Parce que nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Le but de ce message n'est pas de nous condamner. Non, c'est de nous dire qu'il est encore temps aujourd'hui de nous repentir. Toi qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, toi qui n'as pas encore accepté Yeshua dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, il te tend la main aujourd'hui. Le monde et sa vanité va passer. Le monde va passer. Les biens de ce monde passeront. Mais ceux qui font la volonté du Seigneur, de la parole, demeurent éternellement. Philippe Frappe nous affiche le passage à nouveau de 2 Corinthiens 5. Donc on est au verset 4. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant accablés. Oui, en effet, cette tente nous accable. Pourquoi? Parce qu'on peut être fatigué, on peut avoir sommeil, on peut être malade.
On peut ne pas avoir tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut. Parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, oui. Seulement nous accablons. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre dans la piété. On veut vivre dans l'intégrité. On ne veut pas enlever notre vêtement qui est l'image de la sainteté. On ne veut pas se corrompre. On ne veut pas se compromettre avec le sexe, avec les femmes, avec l'argent, avec les biens de ce monde. Oui, ce monde nous accable, nous oppresse, nous opprime. Comme on l'a vu dans Pierre. Ce monde, les désirs charnels nous combattent. Les désirs charnels, la chair est avec nous en permanence, notre vieille nature. Qu'on mange, qu'on dorme, qu'on soit éveillé ou partout, la chair est là avec ses passions, ses désirs qui nous combattent. Il dit, mais nous, revêtir. Donc, on va relire le passage. Car aussi, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons étant accablés. Parce que nous désirons non pas enlever notre vêtement, la sainteté, mais nous revêtir. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Donc, on ne veut pas se laisser emporter, entraîner. Le pèlerin ne se laisse pas emporter, entraîner par les passions de la chair de ce monde. Et la fin du verset 4 dit, mais on veut être englouti par la vie. Donc la vie d'Elohim, la vie de l'esprit, mais aussi la vie éternelle. Toi qui ne veux pas aller en enfer, tu n'as pas deux choix. Le seul choix que tu dois faire, c'est suivre Yeshua. Et en effet, frère, n'oublions pas que lui-même, il a porté une chair, un corps corruptible comme le nôtre. Il était soumis à toutes les épreuves, toutes les tentations, mais il n'a pas commis le péché. Pourquoi? Parce qu'il a voulu nous montrer le modèle à suivre. Le verset 5 dit, or celui qui nous a formés, pour cela même, c'est Elohim qui nous a donné le gage de l'esprit. Donc par son esprit, aujourd'hui, c'est possible. Nous ne sommes pas forts. Mais moi qui vous parle, nous sommes faibles. Nous sommes des hommes faibles, faillibles. Mais parce qu'on a reçu l'esprit d'Elohim, cet esprit nous aide à vivre dans la sainteté, la crainte du Seigneur. Il dit que celui qui nous a formés pour le ciel, celui qui nous a préparés pour les noces de l'agneau, celui qui nous a préparés, n'est-ce pas, pour l'enlèvement sur le Seigneur Yeshua. Et la preuve, il nous a laissé comme gage son esprit, qui nous aide à lui obéir, qui nous aide à prier, à méditer, à jeûner, à nous sanctifier. C'est par l'esprit du Seigneur, c'est possible. Toi qui sens que tu es faible, que tu n'arrives pas à abandonner le péché, demande la force au Seigneur. Alléluia. Donc on va prendre notre passage dans Romains chapitre 12 à partir du premier verset. Donc on parle de vivre comme un pèlerin. Romains chapitre 12 à partir du premier verset. Donc on a déjà vu ici qu'un pèlerin, n'est-ce pas, est une personne qui vit comme un étranger, qui vit comme un voyageur. Qui ici, n'est-ce pas, ne s'attache pas à la poussière, à la vanité. Qui, n'est-ce pas, attend la fité céleste qui a des solides fondements. Donc, on est dans Romains 12 à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim. C'est votre culte spirituel. Donc ici, on va regarder le passage sur l'écran. Ici, Paul nous encourage à offrir nos corps au Seigneur, à offrir nos vies. Un pèlerin, n'est-ce pas, une personne qui offre sa vie entièrement au Seigneur, qui offre son corps en sacrifice, qui ne s'habille pas dans le désordre, qui ne vit pas dans le désordre, qui sont comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est votre part un culte raisonnable. Et verset 2, « Et ne vous conformez pas à cet âge-ci. » Le pèlerin, n'est-ce pas, ne se conforme pas au siècle présent. Il ne vit pas comme tout le monde vit. Il n'aime pas ce que tout le monde aime, le pèlerin. Il ne vit pas selon la mode. Il n'est pas influencé par les réseaux sociaux. Il n'est pas influencé par les smartphones. Il n'est pas influencé par l'argent, par le sexe. Le pèlerin, n'est-ce pas, ne se conforme pas au siècle présent. Il n'est pas influencé par la poussière. Il est influencé par l'esprit du Seigneur. Il est influencé par la présence d'Elohim. Il est influencé par la parole du Seigneur. Donc il dit, ne vous conformez pas à cet âge-ci. Et nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans l'âge du péché. Nous sommes dans l'âge de la domination du péché. Cet âge qui lie les hommes. Mais cet âge va passer. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Afin que vous éprouviez quelle est la volonté d'Elohim. Ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ici on apprend que le pèlerin, n'est-ce pas, cherche la volonté d'Elohim. Le pèlerin, n'est-ce pas, éprouve la volonté du Seigneur. Il ne se laisse pas emporter par ce que tout le monde aime voir et aime faire.
Mais il éprouve quelle est la volonté du Seigneur. Il recherche en permanence ce qui est bon au Seigneur, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc on apprend ici que le pèlerin, n'est-ce pas, cherche à réjouir le cœur du Seigneur. Le pèlerin, n'est-ce pas, cherche à honorer le Seigneur. Il recherche en permanence ce qui est bon, agréable et parfait. On peut enlever le passage sur l'écran. Donc un pèlerin, n'est-ce pas, une personne qui ne se conforme pas au siècle présent, à l'âge présent. C'est une personne, n'est-ce pas, qui se bat. Parce que oui, le royaume de Dieu est forcé, on doit user de violence pour y avoir accès. Ce n'est pas facile. Alléluia, je tiens le précis, ce n'est pas facile la marche chrétienne, mais c'est possible. Car aux hommes, cela est impossible, avec Elohim, tout est possible. Donc c'est vraiment pour nous encourager à vivre comme des pèlerins, à rechercher la volonté du Seigneur, ce qui est bon, agréable et parfait. À ne pas courir après la fumée, frère. Vous qui nous suivez, on peut avoir des grands biens, on peut avoir tellement de choses, mais on peut partir à n'importe quel moment. Et quand on part, on bascule dans l'éternité. L'éternité ou avec le Seigneur, ou sans le Seigneur. Donc ici, Paul nous apprend, n'est-ce pas, à ne pas nous conformer à l'acte présent, mais à nous offrir comme des sacrifices, comme des holocaustes. Et c'est quoi l'holocauste? L'holocauste était un animal, un sacrifice qui était offert entièrement, un sacrifice qui était totalement consumé par le feu. Le Seigneur veut qu'on s'offre à lui entièrement. Donc on va prendre un autre passage. Donc Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, du verset 1 à 2. Donc le thème de ce jour, c'est vivre comme un pèlerin. Colossiens chapitre 3, du premier verset au verset 2. Donc nous sommes dans Colossiens 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Elohim. Donc on apprend ici que le pèlerin cherche en permanence les choses d'en haut. Il ne recherche pas les choses terrestres. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est céleste. Si donc vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut où le Mashiach est assis à la droite d'Elohim. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc il nous encourage à penser aux choses d'en haut, à la sainteté, à la pureté. Pensez aux choses d'en haut, aux noces de l'agneau, à l'enlèvement de l'Ecclésia. C'est quoi les choses d'en haut? C'est chaud, c'est le ciel. C'est le paradis avec le Seigneur. C'est la vie de l'Esprit. Nous demandons de penser aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais les hommes, dès le matin, à leur réveil, pensent à comment faire pour gagner de l'argent, s'enrichir. Comment faire pour m'enrichir? Comment faire pour draguer la voisine? Comment faire, n'est-ce pas, pour faire du mal à mon prochain? Là, sur les pensées de la terre. Comment faire pour être le garçon le plus beau, le plus design du quartier? Mais Paul nous encourage. Si nous sommes restés le Seigneur, cherchons les choses d'en haut. Nous encourage à rechercher les choses divines, les choses d'en haut, la sainteté, la pureté, la vérité, la justice, la droiture, l'intégrité. Nous encourage à chercher le fruit de l'esprit, la nature du Seigneur, le caractère du Yeshua. Il dit penser. Donc nos pensées doivent se tourner vers ce qui est céleste. La pensée du pèlerin se tourne vers ce qui est céleste. Il ne coupe après la fumée, après la vanité. Verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Mashiach en Elohim. Verset 4. Quand le Mashiach, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc on a appris que toutes les personnes qui vivent comme des pèlerins, toutes les personnes, on peut enlever le passé, toutes les personnes, n'est-ce pas, qui se forcent d'honorer le Seigneur, de craindre son nom, partiront avec lui dans la gloire. Ce n'est pas facile, je le répète, mais avec le Seigneur, tout est possible. Toi qui sens que la marche chrétienne devient de plus en plus difficile, prends courage. Car ici, on apprend que lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Lorsque le Seigneur reviendra chercher son Ecclésia, nous partirons avec lui. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Réalisons que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Réalisons que notre cité n'est pas de ce monde. On va prendre un autre passage dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 8. Hébreux, n'est-ce pas, chapitre 11. On va lire à partir du verset 8. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage
Il partit sans savoir où il allait. Le pèlerin est une personne qui se bat pour marcher dans l'obéissance, ici comme Abraham, qui sort de sa patrie, n'est-ce pas, qui va dans un pays étranger, qui ne savait pas où il allait. Le pèlerin est une personne qui se bat pour marcher dans, par la foi. Verset 9. Par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre. N'est-ce pas? Comme un étranger sur la terre de la promesse, habitant sous les tentes avec Isaac et Jacob, Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse. Frère, cette histoire me marque à chaque fois, on peut garder encore le passage sur l'écran. On apprend ici qu'Abraham sort de sa patrie, et lui dit que je te donne Canaan en héritage. Mais lorsqu'il arrive à Canaan, au lieu de se dire, bon, je vais me construire des grandes cités parce que c'est la terre promise, il a vécu encore sous des tentes. Il a vécu comme un étranger sur la terre de la promesse. Pourquoi? Parce qu'il avait en vue la cité céleste. Verset 10. Pourquoi Abraham a-t-il vécu dans la terre de la promesse comme un étranger? Car il attendait la cité qui a des fondements. C'est donc Elohim est la cité, est le constructeur. Donc Abraham a vécu sur la terre promise, comme un étranger. Pourquoi? Parce qu'il avait les yeux fixés sur la nouvelle Jérusalem. Il avait les yeux fixés sur le ciel. Car il attendait la cité qui a des solides fondements. Donc il y a des fondements, dans certaines versions. Pourquoi on apprend que la cité céleste a de véritables fondements, a de solides fondements? Pourquoi? Parce que les fondements des maisons terrestres finissent par s'écrouler. Tu peux faire 6 mètres de profondeur pour ton sous-bassement, pour ton sous-ton fondement. Lorsqu'un grand vent, un tsunami va s'abattre, va s'effondrer. Donc on apprend ici que les maisons, les biens de ce monde s'effondrent. On le voit chaque jour aux infos. Avec des tsunamis, avec des tremblements de terre, nos maisons physiques s'ébranlent. Mais le ciel ne s'ébranle pas. Oui, frère, on a une maison, on a un véritable royaume qui nous attend sur la nouvelle Jérusalem. On dit que la solide, quand il attendait la cité, qui a des fondements solides. C'est dans Elohim et l'architecte, le conjoint. Pourquoi le ciel ne peut pas s'ébranler? Parce que c'est Yeshua qui est l'architecte. Donc c'est lui qui a fait le plan. Oh, alléluia. Et c'est lui-même qui est le maçon. Il est le charpentier, il est le constructeur de cette cité. Nos maisons physiques ont été faites par les hommes. Voici pourquoi ils peuvent s'ébranler. Elles peuvent s'ébranler, ces maisons. Mais le ciel, c'est Yeshua. On peut enlever le passé pour un temps. Le ciel, c'est Yeshua qui en est le constructeur et l'architecte. C'est pourquoi le ciel est notre demeure véritable. Le paradis réel existe. Yeshua lui-même est le, et l'architecte nous apprend la parole. Mais aussi le constructeur. Ça doit nous booster, nous encourager, frère. Cette cité-là, tu as ta maison au ciel qui t'attend. On nous parle, n'est-ce pas, que les rues sont parées d'or. Ce n'est pas comparé à nos rues, n'est-ce pas, où c'est le bitume, où il y a des nids de poules. On nous parle du ciel, les rues sont parées d'or, les maisons sont en or massif. C'est de l'or véritable, ce n'est pas de l'or dilué comme on peut le voir sur la terre. Cette cité est réelle. Vous avez vu qu'Abraham, malgré la promesse, il est allé à Canaan, il a vécu sous les tentes. Il fait non, moi j'attends le paradis, j'attends le ciel, j'attends la nouvelle Jérusalem. Parce qu'il était conscient qu'il pouvait construire, n'est-ce pas, sa maison, cette cité. Elle devait être ébranlée tôt ou tard. Le but du message, ce n'est pas de nous dire qu'on ne peut pas construire notre maison. Non, on peut construire sa maison, c'est normal. Au lieu de louer, c'est mieux de construire. On peut avoir un véhicule, ce n'est pas ça le but du message. Ce n'est pas qu'on ne peut pas avoir un véhicule, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est de nous amener à ne pas nous attacher à la poussière et à la vanité. Tu as une maison, tu vis à l'intérieur, tu bénis le Seigneur, ton cœur ne doit pas être lié à cela. Tu as une voiture, tu bénis le Seigneur, c'est utile. Tu peux avoir un compte, tu as un compte en banque, n'est-ce pas, pour tes enfants, pour l'avenir, c'est utile, c'est normal. Mais ce qu'on veut nous amener à comprendre, c'est de ne pas nous attacher à l'argent. De ne pas mettre notre confiance dans les maisons, dans les voitures, dans les biens de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont éphémères. C'est ça l'objectif. Et le pèlerin l'a vu, qu'il, n'est-ce pas, il vit comme un étranger, comme un voyageur. On a vu que le pèlerin ne se conforme pas au siècle présent. Et on a vu par Abraham ici que le pèlerin, n'est-ce pas, il vit comme un étranger. Pourquoi? Parce qu'il a les yeux fixés sur la cité céleste. Frère Yeshua est l'architecte et le constructeur. Frère, ça doit nous encourager. Tu as tes moyens que le Seigneur t'a donné, bénis-le, mais ne t'attache pas à cela. Tu as une femme,
tu as des enfants, rends-les heureux, mais que ton cœur soit premièrement attaché au Seigneur. Tu as des projets que tu veux accomplir, éprouve ces projets à la lumière de la parole. Tu as des projets, n'est-ce pas, qui veulent t'amener à t'attacher à la terre, qui n'honore pas le Seigneur, détourne-toi de cela. Parce que le temps est quasiment à sa fin, tire à sa fin. Bientôt nous allons partir. Le temps est plus que jamais à rechercher, à honorer le Seigneur, à faire ce qui lui est agréable. Et le Seigneur était clair, on va prendre ce passage dans Matthieu 6, 21, on va prendre ce passage dans Matthieu 6, 21, le Seigneur était clair. Matthieu 6, 21, on termine bientôt. Matthieu 6, 21, le Seigneur était clair dans sa parole. C'est le temps de se sanctifier, c'est le temps de craindre le Seigneur, c'est le temps de laver nos robes. C'est le temps, n'est-ce pas, de détourner nos yeux des attraits de ce monde. Parce que le monde nous trompe beaucoup. Dans Matthieu 6, à partir du verset 21. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. On peut enlever le passage. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le Seigneur était clair. Que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Si notre trésor c'est le Seigneur, notre cœur sera en lui, à lui entièrement. Si notre trésor c'est l'argent, c'est le péché, c'est le mal, c'est les biens de ce monde, n'est-ce pas, nos cœurs aussi seront attachés à ces choses. C'est un principe. Là où est ton trésor, là où sera ton cœur. On doit véritablement faire du Seigneur notre priorité. On doit véritablement faire du Seigneur le trésor de nos vies. Et un trésor est une grande richesse. Un trésor est une grande richesse. Donc réalisons que avec le Seigneur, on a tout, on est comblé. Même si tu n'as pas une grande villa, même si tu n'as pas des voitures, tu n'as pas de grands biens, lorsque tu as le Seigneur Yeshua, tu as tout. Pourquoi? Parce qu'il te réserve au ciel. N'est pas comparable à ce que le monde peut nous offrir. Il est encore dans les évangiles que ne vous amassez pas des richesses, des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille peuvent détruire, là où le voleur peut dérober. Mais nous attacher, n'est-ce pas, aux richesses dans le ciel. Oui, frère, on peut avoir beaucoup de grands biens. Ces grands biens peuvent être détruits par les catastrophes naturelles, peuvent être dérobés par des voleurs. Mais ce que le Seigneur nous promet dans le ciel, aucun voleur ne pourra le dérober. C'est pourquoi battons-nous pour craindre le Seigneur, battons-nous pour nous sanctifier, battons-nous pour fuir le péché. Battons-nous, Seigneur, battons-nous autant pour moi, pour faire tout ce qui honore le Seigneur. On va prendre un passage dans 1 Timothée 6. Donc on est dans 1 Timothée 6 à partir du verset 5. 1 Timothée 6 à partir du verset 6. 1 Timothée chapitre 6 à partir du premier, à partir du verset 6, oui. Mais la piété est une grande source de gain quand on s'est content avec ce que l'on a. Donc ici, Paul nous parle du contentement. Le pèlerin se contente de ce que le Seigneur lui donne. Il ne cherche pas plus que ce qu'il ne peut pas avoir. Il ne cherche pas à vivre au-delà de ses moyens, vivant simplement. Parfois, ce qui tue l'humain, c'est parce qu'il n'a pas les moyens pour vivre d'une certaine manière, mais il veut vivre dans l'opulence. Donc, on peut remettre le passage sur l'écran, s'il vous plaît. Donc, Paul ici dit que, on peut remettre le passage sur l'écran, que le contentement, n'est-ce pas, mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Donc ici, Paul nous rappelle qu'on n'a rien apporté dans le monde. C'est vrai, lorsqu'on est tout nu, on vient avec rien, on ne vient avec rien lorsqu'on est. Il dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Quand nous partirons non plus, nous ne pourrons rien emporter. Même s'il y a certains qui font des folies dans leur cercueil, on peut mettre leur argent, on peut mettre les biens, mais ils ne peuvent pas aller avec ça parce que lorsqu'on arrive dans l'éternité, qu'on arrive devant le Seigneur pour le jugement, on n'a rien.
Donc on n'a rien apporté et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Donc on partira nu comme on est né, on partira comme poussière. Verset 8. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Paul nous parle de l'essentiel. Tu as un toit où dormir, tu as un toit où vivre, tu as la nourriture, tu as le vêtement, cela nous suffira. Alors, est-ce que ici Paul veut dire que si quelqu'un a un véhicule, il fait mal? Non, fait utile. Mais il nous apprend d'abord que l'essentiel, c'est la nourriture, c'est le vêtement. Pour ne pas être nu, pour ne pas mourir de faim. Midi, verset 9. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Donc ici, il parle de ceux qui veulent devenir riches, qui tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs dénués d'intelligence et pernicieux, qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Donc, Paul ici nous apprend clairement que ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans les pièges du diable. Et aujourd'hui, je le dis avec précision, le trois quarts des riches, c'est des gens qui ont pactisé avec le diable, le trois quarts. Il y a des gens qui sont riches naturellement, oui, par leur travail, par leur business, par leur activité. Il y a des gens qui sont riches parce que Dieu, le Seigneur leur a accordé ce don. Mais le trois quarts de nos riches, c'est des gens qui ont pactisé avec le diable parce qu'ici la parole est claire. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs, dénués d'intelligence et pernicieux. Donc ils font des alliances et des pactes avec le diable qui les conduisent à l'enfer. Beaucoup ont vendu leur âme à cause du papier, de la poussière, de la fumée. Beaucoup ont vendu leur âme parce qu'ils voulaient être connus, célèbres. Comme beaucoup d'artistes qui vont pactiser avec le diable, qui n'ont une gloire éphémère que de quelques années, qui partent, qui meurent jeunes, qui meurent de façon prématurée parce qu'ils ont vendu leur âme. Tandis que ceux qui veulent s'enrichir, peu importe l'activité dans laquelle tu veux t'enrichir, tu risques de rencontrer le diable sur ton chemin. Travaille simplement, travaille naturellement pour pouvoir subvenir à tes besoins, pour pouvoir, n'est-ce pas, accomplir tes projets. Ne travaille pas donc avec l'objectif de devenir riche, parce que tu peux rencontrer Satan sur ton chemin. Il va te proposer une richesse rapide. On peut enlever le passage pour un petit temps, on reviendra sur le passage. Oui, frère. Travaille pour prendre soin de ta famille. Travaille pour te nourrir. Travaille pour construire. Travaille, n'est-ce pas, pour pouvoir prendre soin des orphelins, des veuves, des prisonniers, des malades. Travaille, n'est-ce pas, pour l'œuvre du Seigneur. Mais le travail va pour devenir riche. Sinon, tu peux rencontrer Satan sur ton chemin. Le passage était clair. Que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et Satan sait. C'est pourquoi il propose aux gens une richesse facile. Beaucoup adhèrent à la franc-maçonnerie, à la Rose-Croix. Beaucoup adhèrent, n'est-ce pas, à l'homosexualité, au lesbianisme. Et beaucoup vendent leur âme au diable à cause de la poussière. Pourquoi? Parce que Satan a aveuglé complètement leurs yeux. Donc on peut remettre le passage, s'il vous plaît. Donc on apprend que tous ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans le piège. On peut remettre le passage sur l'écran. Le Seigneur veut vraiment nous encourager à nous contenter de ce que nous avons. Il dit verset 10, « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. » Donc on apprend ici que la racine de tous les problèmes, la racine de tous les maux, c'est même l'argent, le papier. Et on dit que pour l'avoir désiré, donc il y a des chrétiens qui ont tellement désiré avoir l'argent, devenir riche. On dit pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi. Donc ils ont tellement désiré l'argent, ils ont tellement désiré les richesses, que ça les a amenés à se détourner de la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont maintenant possédé cet argent, ils ont fait des folies. Ils se sont pris des jets. Ils ont fait des folies. Revenons au contentement, revenons à l'essentiel, parce que nous sommes des pèlerins. Et on dit, ils se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Ils ont créé eux-mêmes beaucoup de douleurs. C'est comme s'ils ont pris un poignard, ils se sont poignardés eux-mêmes. Ils se sont envoyés en enfer.
revenons au Seigneur, revenons à l'essentiel. Amen. On peut enlever le passage. Donc c'était vraiment ça le but du partage, de nous rappeler que nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, il veut honorer le Seigneur. Un pèlerin ne cherche pas à vivre dans l'opulence, il vit dans le contentement. Le Seigneur Yeshua nous a montré le chemin à suivre, il était simple. Le pèlerin doit vivre dans l'humilité, dans la simplicité, dans la discrétion. Il ne doit pas vivre dans le désordre. Et Pierre était clair dans son épître. Vu le temps, racheter le temps. Non, Pierre était clair, il a plutôt dit, autant pour moi. Pierre nous a plutôt encouragé dans son épître. Le pasteur va me revenir dans quelques instants. Il nous a plutôt encouragé à vivre comme des voyageurs et des pèlerins. Mais il nous a aussi plutôt encouragé à vivre dans la sobriété, ce n'est pas ce qu'il cherchait. Il dit, soyez sages et sobres afin de vaquer à la prière. Pierre nous encourageait à vivre dans la sobriété, à vivre dans la sagesse, afin de vaquer à la prière. Soyez sages et sobres afin de vaquer à la prière. Donc que le Seigneur nous aide à vivre comme des pèlerins. Que le Seigneur nous aide à vivre dans la sobriété. Que le Seigneur nous aide à vivre dans la sagesse, dans la crainte du Seigneur. Toi qui es malade, prie le Seigneur, il te guérira. Détachons-nous de la vanité, parce que nous ne sommes pas de ce monde. Que vraiment le Seigneur soit béni pour ce partage et que toute la gloire lui revienne. Je vous souhaite une agréable soirée. À une prochaine émission par la grâce du Seigneur, paix et grâce.